Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 octobre 2023, 1 Samuel chapitre 21 jusqu'au chapitre 22 verset 5. Voilà le texte de notre pensée biblique quotidienne, dont le titre est le suivant, l'exil. Avant que l'Éternel ne lui donne la royauté, David va fuir Saül. Il se rend d'abord à Nob, où le prêtre Ahimélec lui apporte son aide. Désespéré, il se réfugia ensuite chez les Philistins qu'il avait combattus. Il dut se faire passer pour fou afin de préserver sa vie. Le début du chapitre 22 nous indique que David devint le chef de sa famille et de tous ceux qui étaient dans la détresse, ceux qui avaient des dettes et ceux qui étaient mécontents. Il confia ses parents aux bons soins du roi de Moab, d'où provenait Ruth, son aïeul. Guidé par le prophète Gad, il quitta son refuge fortifié pour se cacher dans la forêt en Juda. Tout comme David, Jésus a aussi connu l'exil en Égypte. L'un était poursuivi par Saül, l'autre par le roi Hérode. Le Seigneur les avait tous les deux choisis. David pour accéder à la royauté et Jésus pour qu'il nous sauve de nos péchés. Tous les deux ont accepté de fuir et de vivre en exil, avant que le plan de Dieu ne s'accomplisse dans leur vie. Quand le Seigneur nous appelle à son service, acceptons, nous aussi, les difficultés par la foi en nous confiant en sa souveraineté divine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.